C'est le patrouilleur Roger qui sauve la galaxie. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. Quand tout devient supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Que ce qu'on touche devient parfait, parfait, parfait. C'est génial! Roger, le héros sidéral. Chérie, c'est l'heure de l'école. J'arrive tout de suite, maman. J'ai juste à m'habiller. Oh non, j'ai renversé du jus partout sur mon uniforme. Je ne peux pas aller à l'école sans mon uniforme. On va s'en occuper, mais il faut que tu déjeunes. Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robot. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Liki-Robot, Riki-Robot, Répa-Robot, Débo-Robot, Brico-Robot, Costa-Robot. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais! On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Quelque chose a aspergé cette pauvre créature terrestre. Chef, ce secteur n'a pas l'air sûr du tout. Je suggère d'envoyer Rover pour cette mission. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. En plus, je ne crois pas que ce soit une créature toute sale. Notre amie terrienne était triste parce qu'elle a renversé ce qu'elle appelle du jus. Dico Robot, identification. Analyse en cours, traitement des données. C'est un uniforme scolaire. Donc, notre amie terrienne ne peut pas le porter pour aller à l'école. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait. Carte mère, mission du jour. On va enlever le jus qu'il y a sur l'uniforme et nous pourrons dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, supprimer la tache de jus. Faisons vite comme une météorite. Chef, Rover est en train de tout salir. Nom d'un gaz de Jupiter. Il y a du jus partout maintenant. On doit nettoyer ça, ainsi que l'uniforme. La patrouille se bat pour garder la planète propre. Comment est-ce qu'on va nettoyer tout ça? C'est impossible! Rien n'est impossible pour un patrouilleur de l'air. Et surtout pas quand il a des robots. Et il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux on amène? Il y a un robot pour ce boulot, c'est un champion de l'hygiène. Récu-robot, activation! Récu-robot, à votre service. Ah! C'est tout sale. C'est l'heure du nettoyage. Le
Nettoyage, nettoyage, nettoyage. C'est un véritable nettoyeur compulsif. Il faut que tu enlèves le jus de cet uniforme, Rikurobo. Oh, je vais me servir de mon détachant cosmique doté de la nouvelle formule à triple effet, super effervescent. Et hop! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? À première vue, je dirais qu'il est en train de nettoyer. Nettoyer comme un robot fou. Rikurobo, est-ce que tu m'entends? Tout va bien là-dedans? N'ouvre pas la porte! C'est propre! Salut, petite robot terrienne! Moi, c'est Dico Robot. Je suis en quelque sorte le chef de cette patrouille. Bien sûr que oui! Enfin, presque! Hé! Hey, où est-ce que tu vas? Attends-moi! Eh bien! Cet uniforme est propre. Beau travail, Rikurobo. Maintenant, il faut qu'on le sèche et qu'on soit rapide comme un astéroïde. Mais comment? Chef, Rover est en train de tout salir. Ah! C'est tout sale. Juste une spatio-seconde. Rikurobo, regarde un peu ces traces. Il y a quelque chose qui fait qu'elle sèche. C'est cette étrange machine qui tourne. Dico Robot, identification. Analyse en cours. Ceci est un ventilateur. Ça sert à se rafraîchir et à sécher certaines choses aussi. Nouvelle idée de patrouilleur. Si un petit ventilateur peut sécher ses traces, peut-être qu'un grand ventilateur peut sécher l'uniforme. Mais chef, où est-ce qu'on va trouver un plus grand ventilateur? Il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux retenir? Il y a un robot pour ce boulot, qui peut vraiment tout construire. Brico Robot, activation. Brico Robot, à votre service. Brico Robot, peux-tu fabriquer un ventilateur comme ça, mais plus grand? Très intéressant. C'est un procédé relativement simple. Aïe! Constrictus, Maximus, Ventilus! Pluie de comètes! Ce ventilateur est énorme! C'est le moment de l'allumer! Ça fonctionne! Ça fonctionne trop bien! Est-ce que tu peux l'éteindre? Qu'est-ce que vous dites, chef? Je ne vous entends pas très bien! Oh! Oh! Est-ce que quelqu'un peut appuyer sur le bouton arrêt? Je ne peux même pas bouger mon balai brosse à cause de cet horrible vent tout sale! J'abandonne! La patrouille n'abandonne pas! Elle va au combat. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1. Oh non! Il y a plus de bulles! Au moins, l'uniforme est en train de sécher. Nettoyage! Rikurobo, arrête le nettoyage! À cause de toi, il y a encore plus de bulles! Ah, te revoilà! Je me demandais où tu étais parti. Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton? Sidéralifique, dit Corobo.
On pourrait se servir des bulles cosmiques de Récurobot pour te faire rebondir jusqu'au bouton. Elles rebondissent bien. Oh, je ne suis pas certain d'aimer mon idée. Ok, Dicorobot, tiens-toi prêt. Oh, mais quel beau lancer, chef! L'uniforme de notre amie terrienne est propre, sec et surtout sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut enfin dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Maman, regarde! Mon uniforme est tout propre. Où est la tâche? C'est un mystère. C'est le patrouilleur de l'air. Merci, Roger. C'est sidéralifique. Et c'est parti. Regarde bien. Ça fait 3 fois de suite qu'il s'écrase. Oui, j'ai vu. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Suis-moi. Essayons de trouver quelque chose pour le réparer. Oh oh, Robert? Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dicorobot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dicorobot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robot. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot, peu importe celui qu'il vous faut. L'équirobot, récurobot, réparobot, débarobot, bricorobot, costorobot. Alors, quel robot il vous faut? Wow! On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais! On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Quelque chose a détruit ce minuscule vaisseau spatial. Et si on était les prochains? Ce secteur n'est pas sûr du tout. Chef, je suggère d'envoyer Rover pour cette mission. Il dit que l'objet n'arrête pas de tomber. Dicorobot, identification. Objet identifié. C'est un avion. Une machine terrienne primitive qui vole haut dans le ciel. Un avion? Celui-ci est en morceaux. Il n'est absolument pas en état de voler. Ça, c'est une mission supersonique. C'est une mission supersonique. On ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait. Oui, parfait. Carte mère, mission du jour. Il faut qu'on fasse voler cet avion dans le ciel. Comme ça, on pourra dire que tout est parfait. Bien compris, Roger. Ta mission, réparer l'avion des terriens. Aussi vite qu'une météorite. Très bien. Cette partie va ici. Et on dirait que celle-là se met de ce côté. Et celle-ci...
que toutes les parties restent attachées. Chef, si l'on se fie à mes calculs, c'est impossible! Il n'y a rien d'impossible pour un patrouilleur de l'air. Surtout quand on a de super robots. Il y a un robot pour ce boulot! Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre désigné? Il y a un robot pour ce boulot, qui peut tout réparer. Réparobot, activation! Réparobot, à votre service! Bienvenue à cette mission, Réparobot. Cet avion est en morceaux et on doit le réparer. Impossible! Pas sans outils! Voilà, c'est réglé. On peut rentrer. J'ai bien mérité une canette d'huile froide, moi. Réparobot, pourquoi ne te sers-tu pas de tes outils? Attendez une minute, je viens d'avoir une idée. Je n'ai qu'à me servir de mes outils. Hop et hop là. Ça m'a l'air super sidéralifique. Bon, voyons s'il vole. 3, 2, 1, décollage. Il ne vole pas. Par contre, on peut dire qu'il s'écrase vraiment bien. Quand une panne se reproduit, un patrouilleur réfléchit. Dico Robot, montre-nous à nouveau cet avion. On dirait qu'il se maintient en l'air grâce à une sorte de bande élastique qui fait tourner l'hélice. Cet avion n'a pas de bande élastique. La voilà! Beau travail, Rover! Elle est cassée! Je sais exactement ce qu'il nous faut! Ah, carte mère, peux-tu envoyer un électromoteur numéro 9, le modèle de course, si possible? Réparobot, cet électromoteur a l'air très puissant. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? S'il y a bien une chose qu'on apprend à l'école des outils, c'est que rien n'est jamais trop puissant. Activation! Peut-être qu'il ne fallait pas le modèle de course. Où est passé l'avion? Comment allons-nous le retrouver dans tout le désordre qu'il a semé? Il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux on engage? Il y a un robot pour ce boulot, c'est un as du recyclage. Dévo robot, activation! Déchets! Au travail, Dévo robot! Il faut que tu recycles tout ce désordre pour qu'on retrouve notre avion. Déchets! Blam, 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 blam. Déchets! 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 Dévo robot a vraiment l'air d'aimer son travail. Super recyclage, Dévo robot. Déchets! Hey, celui-là ressemble à un petit singe. Hey, c'est mignon. Déchets! Voilà l'avion! Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas volé dans le ciel comme il aurait dû? Il lui faut plus de puissance. Je vais faire vrombir cet engin comme une fusée en moins d'une nanoseconde, chef. Je suis sûr à 100% du succès de cette mission. À 100% près. Déchets! Déchets! 3, 2, 1, décollage! Rover! Si l'on se fie à mes calculs, il nous est impossible de sauver Rover, à moins d'être équipé d'un genre de fusée. La patrouille n'abandonne pas, elle va au combat. Activation des fusées de patrouille dans 3, 2, 1... Non, mais oui, il peut faire ça. Le patrouilleur Roger est vraiment chouette. Alors, est-ce que ça gaze, Rover? Tu as l'air de t'amuser comme un fou.
mais il va falloir que tu sautes de l'avion. Allez, mon beau, on va droit sur la haute atmosphère. Ray le patrouilleur, tu vas y arriver. Je vais te rattraper. Promesse de patrouilleur de l'air. Vas-y. 3, 2, 1, saute! Bon retour parmi nous, mon cher Rover. Je crois qu'on n'est pas prêt de revoir l'avion. Déchets! Voilà pourquoi nous allons en fabriquer un autre, encore mieux que le premier. Ces morceaux sont parfaits pour fabriquer un nouvel avion. Merci, Dévorobot. Déchets! Je vais vous bricoler ça en deux temps trois boulons, chef. Carte mère, nouvelle commande d'un électromoteur. Cette fois-ci, disons, numéro 8. C'est super, Réparobot. En avant pour le dernier test. 3, 2, 1, décollage! Cet avion est super sidéralifique! Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la base. Notre avion, il est réparé. Merci, patrouilleur Roger. C'est sidéralifique. Encore mieux que le premier. Merci, Roger. C'est sidéralifique. Un ami a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre. Un ami qui a des soucis, c'est une mission pour Roger. Dico Robot? Chef? Je suis prêt à rendre service. C'est l'heure de partir en mission. Oui, c'est l'heure. Le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Toujours prêt à rendre service à ceux qui ont un souci. À votre service. Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger. Bonjour à toi, carte mère. Bonjour à vous, Rover et Dico Robot. Eh bien, bonjour, carte mère. Je suis prêt à rendre service à un ami. T-Robot, êtes-vous prêt aussi? C'est l'heure, mes chers T-Robot. Oui, le moment de faire une bonne action. Oui, c'est le moment. Il y a un robot pour chaque boulot. Peu importe celui qu'il vous faut. Les T-Robots, les T-Robots. Réparobot, Déborobot, Bricorobot. Alors, quel robot il vous faut? Wow. On se calme, les robots. Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. Ouais. On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait. Chef, quelque chose a mâchonné ces objets. Ça pourrait être dangereux. Je suggère d'envoyer Rover pour cette mission. C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs. Et puis, on a vu une créature poilue qui le mâchait. Je me demande ce que c'est. Dico Robot, identification.
Objet identifié. Un jouet à mâcher. Un jouet à mâcher, c'est ça. Mais à quoi ça sert? Un jouet à mâcher est un jouet qu'un chien mordille pour s'amuser et pour garder une bonne hygiène dentaire. Ces jouets à mâcher sont tout abîmés. Ils ne sont sûrement pas amusants, ou alors ils font mal aux dents. Ça, c'est une mission Super Sonic. C'est une mission Super Sonic, on ne renonce jamais. On est intelligent et héroïque. Tout ce qu'on touche devient parfait, oui parfait. Carte mère, mission du jour. Réparer le jouet à mâcher, comme ça nous pourrons dire que tout est parfait. Bien reçu, Roger. Ta mission, réparer le jouet. Faisons vite comme une météorite. Ça ne va pas être facile à réparer. Chef, selon tous mes calculs, ces jouets à mâcher sont bons pour la poubelle. Peut-être qu'on peut s'en servir pour en faire un nouveau jouet. Mais comment on fait un jouet tout neuf avec des déchets? Il y a un robot pour ce boulot. Il y a un robot pour ce boulot, lequel d'entre eux on engage? Il y a un robot pour ce boulot, c'est un as du recyclage. Des vos robots, activation. De te voir en mission, Dévorobot. Peux-tu recycler ces vieux jouets pour en faire un tout neuf? Déchets! Déchets, déchets, déchets! 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 Déchets, déchets, déchets! Déchets! Bon travail, Dévorobot. Déchets! Tiens, mon petit chien. J'espère que ce jouet recyclé te plaira. Il est amusant et bon pour les dents. C'est étrange. Pourquoi il ne l'aime pas? Dico Robot, donne-moi plus de renseignements sur ce jouet. Certains jouets à mâcher ont un pouet-pouet intégré et les chiens adorent ça. Ce nouveau jouet à mâcher n'a pas de pouet-pouet. Donc, on doit réparer le... J'y avais déjà pensé, chef. On doit réparer le chien. Et Rover. Pas exactement, dit Corobot. Le chien aime autant le bruit du jouet que le jouet lui-même. Il faut intégrer un bruit au jouet. Ah, ouais, 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 c'est sûrement plus simple. Et il y a un robot pour ce boulot. Yeah. Réparobot, activation. Réparobot, à votre service. Réparobot, on a besoin que tu répares le pouet-pouet. Chef, réparer un pouet-pouet n'est pas une tâche facile. Je ne pense pas y arriver. Eh bien, retournons tous au vaisseau. Mission pas accomplie. C'est dommage quand même, tant on sait qu'il n'y avait qu'à mettre un nouveau pouet-pouet. Attends, Réparobot, pourquoi tu ne mettrais pas juste un nouveau pouet-pouet? Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Oh oui, parce que le cerveau, c'est vous et pas moi, chef. Il vit vraiment sur une autre planète, celui-là. Ah, carte mère, peux-tu m'envoyer un pouet-pouet supersonique numéro 9? Super, merci beaucoup. Réparobot, ce pouet-pouet m'a l'air très puissant. S'il y a une chose qu'on apprend à l'école des outils, c'est qu'un objet qui fait trop pouet-pouet, ça n'existe pas. Et activation! Ça n'a pas été si facile, mais ça s'est plutôt bien passé. Vite, on va la porter au petit chien. Peut-être qu'il ne fallait pas le modèle de course. Il faut
faut qu'on lui reprenne le jouet à mâcher avant que le son du pouet-pouet ne détruise la planète. Attrapons-le et vite. On n'arrivera jamais à attraper ce chien avec un pouet-pouet pareil. Les chiens aiment vraiment les jouets à mâcher, surtout quand ils sont très bruyants. Dico Robot, tu m'as donné une idée. Ça me fait plaisir. Et quelle est donc cette idée que je vous ai donnée? Le chien aime ce jouet bruyant. Mon instinct me dit qu'il aimerait en avoir un encore plus bruyant. Dévo Robot? Déchets! Fabrique-moi le plus grand jouet. Réparobot, il me faut ton plus grand pouet-pouet. À vos ordres, chef. Carte mère? Déchets! Déchets! Ah, cet énorme pouet-pouet supersonique ne peut pas faire plus qu'un squeak. Avec un peu de chance, ça devrait suffire. Que tout le monde se bouche les oreilles. 3, 2, 1, squeak! Ça a vraiment fait un énorme squeak. Attention, il arrive. Mais il ne fait pas squeak. Il veut reprendre l'autre jouet. J'ai juste à l'attraper avant qu'il n'y arrive. Activation des fusées de patrouille. Dans 3, 2, 1. Tu peux baisser le volume? Ça, oui, j'en suis capable. Il est tout mou et son squeak est parfait. Le jouet est sidéralifique. Beau travail, patrouilleur Roger. Mission accomplie. On peut dire que tout est parfait. Carte mère, on rentre à la balle. C'est sidéralifique.